Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique 2 concernant les devoirs et les droits. Donc nous avons deux pages, la page 70 et 71. Donc on passe à la page 70. Donc nous avons une communication et acte de langage et la compréhension, un texte, on va lire le texte. Après, on passe à la page suivante pour répondre aux questions de la page suivante. Donc, la première question concernant la communication, observe l'image, dit ce que demande l'enfant. Donc, elle a dit que la donc, qu'est-ce qu'on va dire, مثلاً? Donc, par exemple, on va donc, s'il vous plaît, donc, il va utiliser la phrase de la politesse. Donc, communication. Donc, je vais dire, s'il vous plaît, monsieur, allez goulou, mettez s'il vous plaît. Monsieur, où se trouve Aina Yetawajet, mettez où se trouvent les dispensaires? Et il peut poser une autre question. Donc, deuxièmement, dit de quel droit de l'enfant s'agit-il? Donc, à travers ces images, nous devons savoir quel est le droit de l'enfant. Et donc, à travers ces images, quel est le droit qui va servir de l'enfant? Donc, soit là. Donc, كل واحدة غادي نحددو. Donc, هنا les élèves vont à l'école. Donc, هنا c'est le droit de l'éducation. Donc, la première image. Donc, l'image. واحد. شنو كتبين لينا؟ Le droit d'aller à l'école. D'aller à l'école. D'aller à l'école. Ah, là, le droit de l'éducation. Donc, là, on a l'image 1. D'abord, l'image 2. Donc, là, c'est un hôpital. Ou la moustoussa. Donc, là, le droit de quoi? Le droit de l'enfant, là, d'être soigné. Yani, le haq n'ta'ou في العلاج. D'être soigné. Donc, c'est un peu le deuxième mot. Troisième mot, exprime l'ordre donné dans chaque image. Donc, dans la sora, l'ordre, donc, dans la première image, viens ici. Donc, on a un symbole impératif. Donc, ou les quadrigoulés approche. D'accord? Donc, à dire la première phrase. La deuxième, ou le deuxième ordre, je n'ai quadrigoulé le shorty, le saïk. Donc, quadrigoulé, mettez-le en stop. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Donc, à la deuxième image. À la troisième image. C'est un garde forestier. Donc, je ne peux pas dire
Donc, مثلا يقدر يقول لهم défense de couper le bois. Donc, défense de couper le bois. L'Égypte, ou l'a arrêté de détruire la forêt. Arrêté de détruire la forêt. Donc, ce sont des phrases à l'impératif présent. Donc, on passe d'abord au texte de lecture, la compréhension. Lis attentivement le texte et réponds aux questions. Le texte les questions. Donc, une enfant courageuse. Yani tifla, tifla Donc, Rouena, Bats et Muette. Yani had tifla smita Rouena, donc il est muette, yani ma katsmach. Fi wadayat ihaqa. Obligé de changer l'école. Iden, obligé de changer d'école, yani mfrod aliha anha tbeddel lmadrasa. Il arrive dans la classe, donc il arrive dans la classe de Madame Dunin. يعني جات في القسم نتاع هاد الأستاذة اللي هي دينين. Il raconte son premier contact avec ses nouveaux camarades. إذن هي وافدة على مدرسة أخرى، وهنايا في هاد الحالة غادي تتحدث على أول كونتاكت، يعني لو بروميي كونتاكت افيك لي كاماراد ديال لا كلاس، أول تواصل وأول اتصال بالتلاميذ ديال القسم. دونك مدام دونين ايتي سوبر، يعني هاد السيدة هاد الأستاذة كانت إنسانة رائعة. إلا دي أ تو لي زيليف دو بيان سو تونيغ، يعني هي قالت للأطفال والتلاميذ على أنهم يكونوا يعني يحسنوا التصرف. Puis, lorsqu'elle a vu la lettre de papa, yani من بعد فاش شافت يعني الرسالة نتاع لو بابا et moi avions photocopié. يعني ملي شافت الرسالة نتاع الأب والأم نتاع هاد البنت هادي، elle a dit que c'était la meilleure إيدي، قالت على أنها هذه فكرة جيدة. Et elle m'a permis de faire circuler. وخلاتني أنني نسيركولي، يعني نتحرك، يعني نتمشى. J'ai observé avec anxiété. يعني شافت لحظات بكل قلق. Pendant tous les élèves que tous les élèves lisaient. عندما كان جميع التلاميذ كيقراو، جيتي بلوتو كونفيونت، يعني كتقول على انها كانت تايقه في راسها. مي اون نو سي جامي كومون لاسومبلي بو رياجير، ولكن ما كانتش عارفه كيفاش غادي يتم التفاعل. Donc bonjour, disait mon courrier. Donc, إذن مرحبا تقول يقول يعني كيقول الكوري نتاعي، يعني الرسالة نتاعي. Mon nom est Rowena. يعني سميتي هي روينا باتس. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, إذن كيما كتشوفوا. Maintenant je suis muette. انا دابا راني ما كنسمعش.
Ne vous inquiétez pas, on peut quand même être amis. Car je peux écrire, dessiner, montrer du doigt, acquiescer. Acquiescer, yani kimkin dir imaat, secouer la tête, yani kimkin nhez rasi, tordre le nez, kimkin nhrk chouya nif ntaعي, et pratiquer la langue des signes. Kadalik kimkin nmars dak yani lughat l'ishara. Avant j'allais dans une école ou من بعد كيمكن نمشي في مدرسة متخصصة spécialisée, mais le gouvernement l'a fermé. ولكن يعني الحكومة غلقتها. La raison pour laquelle je ne veux pas parler est que je suis né avec des petits bouts. الحاجة اللي ما نقدرش نقول هي أنني تزاديت بأجزاء صغيرة. Des petits bouts qui manquaient dans la gorge. يعني أجزاء صغيرة كانت ناقصاني في la gorge. À part cela, يعني à part هاد الشيء هذا. بدون هذا الشيء يعني je suis parfaitement normal, يعني أبار هذا الشيء اللي عندها هذا البروبليم يعني هي عادية. et mes loisirs sont la lecture, يعني لي loisirs اللي هما الهوايات نتاعي هي القراءة, la télévision, التلفاز, conduire le tracteur, يعني سياقة جرار, de mon papa, ديال الاب نتاعي. Donc هنايا j'espère qu'on pourra devenir amis. كنتمنى اننا نكونوا اصدقاء. Sincèrement votre, يعني حقا روينا باتس. Donc هذه c'est une lettre. Donc هنايا الا لاحظتوا لا lettre بدات من هنا وسالت هنا. J'ai mis 2 heures à l'écrire hier soir. Alors j'étais contente, Anna Farhana, que la plupart des élèves l'aient lu jusqu'au bout. Yani kan Farhana li enna kul l'atfal qrawha hatta l'nihaya. Donc on passe à la page suivante. Donc la première question. Quel est le titre du texte? Donc le titre du texte, donc premièrement, le titre du texte, il donne un enfant courageuse. Un enfant courageuse. La deuxième question. Rouena Batz est née avec un handicap. Quel est ce handicap? Yani hiya tzadet, yani bwahed l'i'aqa, chnou hiya l'i'aqa li tzadet biha. Donc bien sûr, elle était muette. Donc le handicap, yani l'i'aqa nta'aha de Rouena. But elle était, on dit, elle était muette. Elle était muette.
Donc, troisièmement, relève dans le deuxième paragraphe deux actions qui montrent que la maîtresse a bien aidé Rowena Bats. يعني هنايا غادي نستخرجوا في الدوزيام باراغراف جوج ديال الافعال اللي قامت بهم لا ميتريس اللي سميتها دونك لا ميتريس مدام دينين اللي قامت بهم باش تساعد روينا باتس. دونك شنو هما الافعال دونك في الدوزيام باراغراف الى دوموندي اذا بريمير دي شوز Il a demandé aux apprenants de bien se tenir. Donc, il a dit la première action. La deuxième action. Il a permis à Rowena Bats de faire circuler, de faire circuler sa lettre. يعني خلات الرسالة نتاعها تسيركولي بين المتعلمين. دونك هادو هما جوج ديال لي زاكسيون اللي دارت لا ميتريس. دونك لا كاتريام كيسيون كيل دروا ريكلام روينا باتس. اون تور لا بون ريبونس دروا ا اون ايدونتيتي Droit à la différence, droit à une maison, droit à la nationalité. Donc, nous avons le droit à la liberté. Donc, normalement, c'est le droit à la différence. Donc, le droit à la différence. Donc, voilà, on passe au lexique. Je trouve ou bien trouve le mot qui correspond à chaque définition. Donc, il y a des définitions, il y a des adjectifs, un verbe, etc. Donc, il y a donner une information. Le verbe, il y a un verbe de la définition, informer. Informer, c'est donner de l'information. Qualité de deux personnes liées à la solidarité. يعني صفات ديال جوج اشخاص ولا صفه ديال جوج اشخاص يعني مرتبطين وعندهم يعني لا سوليداريتي يعني تضامن دونك سوليدير quelque chose que l'on est obligé de faire شي حاجه اللي مفروض علينا اننا نديروها دونك كاين عندنا devoir Ou qu'il y a une obligation. Ce qui est autorisé par la loi. Donc, chi haja li msmouh biha bil qanoun. Donc, c'est le droit. Donc, le droit. Commander à quelqu'un. De ne pas faire quelque chose, يعني باش تقول لشي واحد ما يديرش واحد الحاجة, donc interdire. Interdire. Donc on passe à la grammaire, transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant est-ce que. Donc est-ce que, bien sûr, c'est une méthode ou bien c'est une expression qu'on utilise lorsqu'on veut poser une question, c'est-à-dire mettre la phrase
ou bien transformer la phrase en phrase interrogative. Donc, ta sœur fait toujours attention en traversant la route. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, est-ce que... Est-ce que ta sœur fait toujours attention en traversant la route? Donc, point d'interrogation. Vous terminez ce travail. Yani, la question, est-ce que, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que vous terminez ce travail? Est-ce que vous terminez ce travail? Je ne prends que ce qui est à moi. La question, est-ce que tu prends, est-ce que tu prends ou bien est-ce que tu ne prends que ce qui est à toi, ce qui est. Est-ce que tu prends que ce qui est à toi? Donc, point d'interrogation. Donc, transforme les phrases suivantes en phrases déclaratives. D'abord, on a des phrases. C'est une phrase qui est impérative. Une phrase déclarative. Prenez en charge ces enfants en danger. Il y a un goût de vous. Vous prenez. La deuxième personne du pluriel. Donc, vous prenez en charge ces enfants en danger. On va dire le point. Est-ce que tu écoutes bien pour répondre correctement aux questions. Wesh kesmem bzyan bach tjaoub ala les questions. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Tu écoutes. Bien. Pour bien répondre aux questions. Comme c'est son abri, sont nombreux dans notre quartier. Nesli donc c'est une stage ou bada. Nesli ma'adoum c'est son abri, c'est son abri. Bidouni sont nombreux dans notre quartier. Donc la troisième question, écris une phrase pour chaque type de phrase. Donc il y a une liste de les types de phrases. Donc, déclarative, notre quartier, Mathélène. Notre quartier est propre. Interrogative. Donc, qui a bien? Donc, on va poser la question, qui a bien participé? Au projet
de la classe. Donc, on a un point d'interrogation. Exclamative. Donc, cette tablette est magnifique. Impératif. Donc, laisse-moi finir mon travail. Donc voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir la page suivante concernant la conjugaison, l'orthographe et la production de l'écrit.